Tier Meisters! For deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Mamma, la meg bli med. Du må fortsette fremme, Solveig.
Cesur. Våkna opp! Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. De laster tungtvannet over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Denne kommer jeg til å trenge.
Der er vannet. Det må være Kain som er nevnt I planen. Entdeckt! Oh! Ah!
det var siste. Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe under bakken. Pass i oss i navn for nå!
Den metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt. Det er mer igjen. Jeg må komme inn I bunkeren.
vannet skal til Tyskland. Du vet hva de prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Regarderez. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh? Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme, elle est trop jolie. Toi tu as quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France, nous avons vu à quel point nous étions français.
On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont... différentes. À ces temps, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Chargez!
pas me laisser abattre. Je me disais, je suis démé, je suis un tirailleur, et que Dieu nous aide. Emportés par l'euphorie de ça.
cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Éradiquez tous les ennemis de la zone! Expulsez-les de la zone! Ne dites rien de plus! Les voilà! Nettoyez les secteurs des ennemis! Laisse-le partir, petit frère. Idrissa.
Est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect, pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste, et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. On a été séparés d'une partie de nos hommes. Je suis parti les rechercher pour qu'on puisse attaquer la batterie principale ensemble. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Der Kommandant will nicht, dass wir die Röhre gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. Monsieur Landy! Mon Dieu! Repose en paix, mon frère! Essayez de communiquer maintenant. Ils sont tous morts. J'arrive trop tard. On ne peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Troupes allemandes et barrage droit devant. Faut pas que je me fasse remarquer par ces patrouilles. Essayez de communiquer maintenant.
Wir sind im Krieg und du machst dir Gedanken über einen kleinen Diebstahl. Hey, Kamerad! Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon. Come on!
Idrissa! Te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. Vous n'avez pas gagné. On n'a pas part en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer. Vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère, ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas. Et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Quand on verra ta fusée, on passera à l'attaque quoi qu'il arrive. On te fait confiance. On te confie nos vies, Démé.